beaucoup des humeurs et d'autodérision. Ce mardi 7 septembre, Emily Neffnaff n'a pas hésité à donner de sa personne pour dénoncer les dictats des Instagram. En effet, celle qui a retrouvé l'amour après sa séparation avec Jérémy Ménez a partagé trois clichés qui ont fait mourir de rire ses abonnés sur Instagram. Sur la première, on peut ainsi voir la belle brune, jouant à la vraie femme fatale sur une énorme bouée serpent, dans une piscine magnifique. Vêtue d'un joli bikini noir, elle met en avant sa silhouette et son regard ténébreux. Mais ça cesse pour la première photo, car les deux autres clichés ne la mettent pas du tout en valeur. En effet, Emily Neffnaff, apparemment très maladroite, a littéralement fini dans l'eau. Ses fans ont pu en effet voir sa chute dans la piscine immortalisée. Moment hilarant puisque sur la troisième photo, elle a même publié son visage tout crisp. Insta versus reality, a-t-elle écrit en légende. Ses abonnés ne se sont pas gênés pour se moquer d'elle. Je n'aime que plus de toi, j'adore la dernière, j'adore ton autodérision. La vraie vie, j'adore. Même quand tu tombes, t'es trop belle, peut-on lire en commentaire. Une femme au naturel, il faut dire que Emily Neffnaff ne cache jamais rien à ses abonnés. Même quand il s'agit de sa vie privée, notamment lors de sa rupture avec le père de ses deux enfants, Jérémy Ménez. En effet, la jeune femme l'avait annoncé à ses fans, lors d'un jeu questions-réponses sur Instagram. Désormais, elle coule des jours heureux avec un nouvel homme, qui pour l'instant reste très discret sur la toile. En effet, la starlette de télé-réalité souhaite garder son identité secrète. Les deux tourtereaux vivent des jours heureux, en Italie, là où la maman de deux enfants a déposé ses valises quand elle suivait la carrière de son ancien compagnon.